Arrêtez cette misérable propagande rebelle. Je vais écraser dans l'œuf cette rébellion. Bonjour la team, bienvenue sur Je Conseil. Et mes meilleurs voeux pour 2021. Et pour démarrer cette nouvelle année, je vous propose un jeu assez exigeant en termes de règles et de durée de partie. Mais avec une immersion et un thème très fort qui vous feront voyager dans une autre galaxie. Allez, c'est parti Et ce jeu, c'est Star Wars Rebellion de l'auteur Corey Konexia, édité en 2016 chez FFG et chez Edge pour sa VF. Le jeu a bénéficié d'une extension, l'avènement de l'Empire, que je vous recommande, car elle améliore et bonifie le jeu sur certains aspects. Dans Star Wars Rebellion, vous allez refaire la saga des films 4, 5 et 6, mais c'est vous qui choisissez le déroulement du scénario. Le jeu vous laisse une totale liberté pour réécrire l'histoire. Comme quelle base rebelle choisir Quel personnage va devenir Jedi Qui passera du côté obscur de la force et même construire deux étoiles noires. Allez, on va voir ça ensemble Et voici la table de Star Wars Rebellion La mise en place a été effectuée avec les règles avancées. Et je vous présenterai en fin de vidéo l'extension qui modifie la mise en place et certaines règles. Et comme d'habitude, je vous donne les règles importantes à ne pas oublier. Lors de la mise en place... Après avoir placé les marqueurs impériaux sur les cinq systèmes, n'oubliez pas de remettre dans la boîte les cinq cartes de son impériale correspondantes. Ici, les cinq cartes que voici. Pensez également que vous devez placer au moins une unité terrestre dans chaque système impérial, comme ici. Côté rébellion, les unités de départ peuvent être placées sur sa base, et ou dans un seul système rebelle ou neutre. Ici, ce sera le système. Tapot. Pendant la partie, la base rebelle est révélée uniquement si une loyauté impériale ou des unités terrestres impériales sont placées dans le système correspondant. Les unités spatiales impériales ne révèlent jamais la base rebelle. La carte mission mobilisation rapide est résolue seulement à la fin de la phase d'ordre du tour en cours. Il est possible de ne pas fonder une nouvelle base, notamment si les cartes sondes de piocher ne sont pas intéressantes ou trop exposées aux unités impériales. Attention, si vous changez de base, toutes les unités de l'ancienne base sont immédiatement placées dans le système correspondant, ce qui veut dire que votre nouvelle base rebelle ne contient aucune unité. Une carte action ne peut être utilisée que si le leader indiqué dessus est bien présent dans le système où se déroule la mission ou le combat. Et bien sûr, il est impossible de jouer à la carte action d'un leader capturé. Il ne peut y avoir qu'un seul leader rebelle avec le cercle de capture en même temps. Si un second leader rebelle est capturé, le premier est libéré automatiquement. De même, si les unités impériales ne sont plus présentes avec le leader capturé, celui-ci est automatiquement libéré et déplacé sur la base rebelle. A noter qu'un leader avec un cercle de carbonite est considéré capturé. Encore une fois, c'est Han Solo qui s'est fait avoir. Concernant les déplacements, vous devez avoir un leader avec une valeur tactique pour pouvoir activer un système afin d'y déplacer des unités. Ici, ce leader impérial et dépourvu de valeur tactique, il ne peut donc pas activer d'unité pour le déplacement. Par contre, il empêche tout de même les unités de se déplacer à l'endroit où ils se trouvent. Pour battre en retraite après un combat, vous devez avoir un leader quelconque, même sans valeur tactique, mais présent dans le système. Vous déplacez vos unités en priorité sur un système adjacent de votre loyauté ou contenant vos unités. Sinon, sur un système sans unité adverse, mais jamais sur le système depuis lequel votre adversaire a initié le combat. Et attention, aucune unité avec l'état noir ne peut battre en retraite. A la fin de chaque combat, retirez tous les marqueurs de dégâts assignés à des unités qui n'ont pas été détruites. Ici, le transport d'assaut a un dégât, mais il a deux points de santé. Je retire le dégât. Que ce soit pour les missions et les combats, je vous rappelle que le maximum de délancés est de 10, soit 5 noirs et 5 rouges. Si vous avez passé lors de la phase d'ordre, vous pouvez toujours utiliser un leader de votre réserve pour s'opposer à une mission ou pour l'ajouter à un combat. Pour les cartes d'objectif, un seul objectif peut être joué durant chaque combat et durant chaque phase de restauration. Pour construire des unités, vous ne pouvez pas utiliser les icônes de ressources d'un système si votre adversaire a des unités dessus, même de type spatial comme ici. Lors du déploiement des nouvelles unités, vous ne pouvez en poser que deux dans la base rebelle et dans chaque système loyal ou soumis. Et vous pouvez en laisser sur l'emplacement 1 de la file de construction si vous le souhaitez. Attention, vous ne pouvez pas déployer d'unités dans un système qui contient un marqueur sabotage ou des unités terrestres ou spatiales de votre adversaire, comme ici à Naboo. L'Empire va devoir faire des choix en début de partie. D'abord, où placer son étoile noire Je préconise un système proche du centre, afin de pouvoir atteindre plus facilement un système du bord de la galaxie. Ensuite, au premier tour, combien faut-il affecter de leaders pour les missions et combien pour les déplacements Personnellement, je priorise au moins deux déplacements à chaque tour afin de soumettre des systèmes voisins. Et laissez toujours un minima, une unité terrestre sur chaque système et si possible, un chasseur taille dans l'espace. Rappelez-vous que le temps joue contre l'Empire. Vous devez explorer la galaxie et conquérir le maximum de systèmes. Mais attention, plus vous vous éparpillerez, plus vos forces seront vulnérables aux attaques rebelles. Tentez de capturer un leader rebelle car vous avez plusieurs missions à utiliser sur lui, si vous les réussissez, bien sûr. Elles vous donneront des informations précieuses sur la rébellion, comme ici avec Interrogatoire. L'étoile noire est votre arme ultime. Elle est invincible en début de partie, mais devient vulnérable dès que la rébellion a pioché la carte objectif de niveau 2, plan de l'étoile noire. Protégez-la avec des chasseurs taille pour éviter sa destruction. En tant que rebelle, le choix de la base secrète est crucial à la mise en place. Trop près d'un système impérial, il y a le risque d'être vite découverte. Trop éloigné? C'est la garantie que l'Empire voudra rapidement s'y déplacer pour vérifier. Je préconise de placer votre base rebelle plutôt éloignée du système de vos unités de départ. Inutile d'attirer les forces impériales dans cette direction. Pensez également que choisir un système isolé, comme par exemple la Twin, protège une mission de diplomatie qui basculerait la loyauté du système côté impérial. Ce qui obligerait à révéler la base rebelle. Et attention au placement de la base rebelle proche de l'étoile noire. Vous risquez un coup de super laser aligné qui détruirait le système tout entier. Pendant la partie, si vous fondez une nouvelle base, tentez d'affecter deux leaders sur la mission mobilisation rapide. En piochant 8 cartes sondes au lieu de 4, cela vous permettra d'avoir plus de choix pour le nouvel emplacement de la base rebelle. N'oubliez pas que l'Empire gagne uniquement s'il conquiert le système de la base rebelle. Jusqu'en milieu de partie, ne placez pas plus de 7 unités sur votre base. Cela donnerait trop d'informations sur sa position possible grâce à la mission Renseignement de l'Empire. De plus, afin de limiter le risque de capture, évitez en début de partie d'envoyer un de vos leaders sur un système avec des troupes impériales. Le temps joue en votre faveur. Pendant la partie, Tentez d'attirer les forces impériales vers de fausses pistes qui les éloigneraient de votre base rebelle. Gagnez de la réputation avec vos cartes objectifs. Au début, elles seront très difficiles à réaliser, mais après quelques tours de jeu, vous devriez pouvoir les faire. Les cartes objectifs de niveau 2 et 3 sont les plus intéressantes il faut donc les piocher rapidement. Le jeu A2 est la meilleure configuration, mais j'aime beaucoup le jeu A4 qui permet d'échanger sur les stratégies et sur les choix des cartes missions pendant la partie. Deux cartes missions comportent une erreur de typo. Il s'agit de renseignements et de initiatives de droïdes sonde. Je mettrai un lien dans la description pour accéder au téléchargement des nouvelles cartes. Je donnerai également un lien pour une aide de jeu qui permet à l'Empire d'inscrire les systèmes déjà loyaux ou soumis. Très utile pour éviter de regarder chaque fois les cartes sondes mises de côté. L'extension, l'avènement de l'Empire se situe au début du film Rogue One, c'est-à-dire que vous démarrerez vos parties entre les films 3 et 4. Elle apporte plusieurs évolutions au jeu de base. D'abord sur la mise en place, avec un nouveau paquet de cartes mission, de nouvelles cartes objectifs, et un placement des unités de départ différents. Ensuite, elle intègre de nouveaux leaders, comme JabbaHut et Gineros, qui disposent de compétences mineures leur permettant d'utiliser les dévers. L'extension rajoute également deux types de nouvelles unités et, le plus important, elle modifie le système de combat qui devient bien plus intéressant et tactique, grâce notamment aux nouvelles cartes tactiques avancées pour chaque camp, de type spatial et terrestre. C'était d'ailleurs le reproche de certaines personnes sur le jeu de base qui considéraient que le système de combat fonctionnait moyennement avec un peu trop d'aléatoire. Allez, une question pour finir. Où placeriez-vous la base rebelle à la mise en place Écrivez en commentaire vos propositions, je vous répondrai et je vous donnerai le placement que j'ai choisi. Voilà, ce que j'apprécie dans Star Wars Rebellion, c'est le jeu du chat et de la souris entre l'Empire et la Rébellion. Au début, l'Empire semble invincible, tellement le rapport de force est disproportionné en sa faveur. Mais avec quelques missions bien menées et une bonne dose de bluff, la rébellion peut tirer son épingle du jeu. D'ailleurs, sur les premières parties, le jeu est plutôt gagné par l'Empire. Mais avec l'expérience, la rébellion inverse rapidement la tendance. Et il y a aussi cet habile mélange dans le jeu, avec une partie stratégique de développement et planification, combinée à une partie tactique de gestion des leaders et des missions. Yahoo le tout générant une excellente immersion dans l'univers de Star Wars. Et puis le jeu est magnifique. Avec ce grand plateau, ces illustrations tirées directement des films, et ces nombreuses figurines qui participent également à l'immersion. Allez, je vous laisse. J'ai une base rebelle à trouver. Et à bientôt sur Je Conseille.